Hey, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mysterious Play. Avant de commencer, n'oublie pas de liker, commenter, partager et de t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Et bien sûr, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Ma team Mysterious, aujourd'hui, vous pouvez voir derrière moi une petite fille qui est en train de danser, sauter, enfin, elle est en train de faire des bêtises depuis tout à l'heure. Je lui dis de t'arrêter, mais elle ne m'écoute pas. Je sais pas quoi faire avec cette fille. Regardez-moi. Des fois elle va dans la cuisine, des fois je sais pas elle est où déjà. Elle disparaît comme ça sans demander mon avis. Ah, elle est là, regardez-moi, elle est ici. Alors voilà, elle se retrouve ici. Oh my god, elle est passée où? Attendez, on va voir. Depuis une heure je suis en fait en train de m'occuper d'elle. Là je crois qu'elle est partie à l'étage, on va voir ça. Ah non, c'est bon, elle est là. Oh my god, il faudrait que tu t'arrêtes. Vous voyez, on monte pas sur les canapés s'il te plaît. Julie, alors voilà les amis, elle s'appelle Julie et c'est une fille vraiment pas très simple. Elle a été une petite fille gâtée et donc là elle est en train d'abîmer tout mon canapé. Eh, s'il te plaît, viens ici, attends, je vais te porter. Voilà, tu m'as pas écouté. Alors je t'ai dû en fait de te calmer, on va dîner ensemble, donc s'il te plaît, bouge plus. Oh my god, t'es passé où? Viens ici, oh là là, mon dieu, qu'est-ce que je fais avec une fille comme ça? Je sais pas pourquoi j'ai accepté d'être babysitter, c'était pas vraiment ce que je voulais. Viens ici, viens ici, viens ici, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, elle m'écoute pas, vous avez vu. Bon, vous savez quoi? Je sais quoi lui dire. Stop, arrête-toi. Ah bah enfin, c'était pas vraiment très compliqué finalement. Oui, peut-être que c'est mieux de t'emmener à l'hôpital. Après, nous allons manger. Oh my god, qu'est-ce que tu m'as dit? Attends, pourquoi elle va sortir de la maison? Non mais ça va pas, tu ne pars pas sans mon autorisation. On quitte pas la maison. Viens ici, il y a des voitures de ce côté. Viens ici, viens ici. Viens, je vais te porter. Viens ici, viens ici. Allez, je te porte, c'est parti. Et nous allons tout de suite à l'hôpital. Mais toi, ça va pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai adopté cette fille. Je ne comprends pas ce qui m'est passé par la tête. Oh my god, j'ai des enfants, ils sont comme ça. Mais toi, tu es la plus compliquée qui puisse exister sur Adopt Me. Allez, c'est parti, c'est bon, nous y sommes. On y va tout de suite, direction l'hôpital. Il se trouve ici, l'hôpital. Ne me dis pas, tu as tout ça à faire. Tu as toutes ces tâches. Oh my god, bah voilà, tu ne manges pas, tu ne dors pas, tu bouges tout le temps, donc c'est tout à fait normal. Alors c'est parti, on y va tout de suite voir le médecin. Bonjour docteur, soignez cette fille et dites-moi si vous avez une solution pour les enfants qui sont comme ça. Des enfants compliqués, ok, on peut sortir d'ici, c'est bon, c'est parti. Alors donc voilà, je vais placer ma maison de ce côté et maintenant j'espère que tu es calme. J'ai pas envie d'avoir un bébé qui fait des bêtises, je déteste ça, tu es bien d'accord? Alors je sais pas ce qu'elle est en train d'écrire, elle ne sait pas écrire. Donc voilà, je récupère des bugs et on va manger quelque chose maintenant. Mais dis donc, où vas-tu? Dans la cuisine? Oui, j'ai bien dit de manger mais pas toute seule. Viens ici, attends, attends, viens ici, viens ici. Tu as faim? Oui, je sais tu as faim, c'est pour ça que je t'ai dit au moins de m'attendre. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, mange ici et attends-moi, ne mange pas tout de suite. Alors moi aussi je vais prendre un donut. Ah bah elle a déjà fini son donut. Heureusement que je t'ai dit de m'attendre quand même hein. Bah tu sais quoi, je vais te donner quelque chose d'autre. Un sandwich, tiens. Allez voilà, vas-y, mange. On mange ici, d'accord, sur la table. Mais je rêve, c'est une blague. Pourquoi tu vas... Mais tu vas où? Eh eh! Oh my god, qu'est-ce que je vais faire? J'ai même pas encore fini mon donut. Elle est passée où? Tu es où? Dans la salle de bain? Oh my god. Non, elle n'est pas ici. Alors, tu es passée où? Oh my god! Dans la chambre de Bella, j'en suis sûre. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit qu'on allait dîner ensemble. Tu m'écoutes pas, on dirait. Mais j'ai rien fait? Oui, oui, c'est ça. C'est moi qui a tout fait. Toi, tu ne fais rien toujours. Allez, viens, on va regarder la télé ensemble. Alors, c'est parti. Tu t'assois ici. Tu t'assois ici, voilà. Et on regarde la télé, d'accord? Qu'est-ce que tu veux mettre? Bob l'éponge. Oh là là, j'aime pas Bob l'éponge. Bon, d'accord, je vais te mettre ça. Attends, je vais allumer la télé. Ok, c'est bon. Vas-y, c'est parti. On regarde Bob l'éponge. Oh my god, j'ai envie de dormir, moi. Moi, j'aime bien. Ah bah oui, j'ai vu ça. Oh my god, ça me fait dormir cet épisode. C'est bon, t'as fini? On peut changer. On peut mettre Miraculous. T'aimes bien Miraculous ou pas? Non, non. Ok, d'accord. Bon bah, Bob l'éponge alors. C'est bon, c'est fini. Allez, je te porte. Alors, je te porte. Eh, tu vas où? Mais je t'ai pas dit de monter. Oh my god, oh my god, oh my god. Attends-moi ici. Je pense qu'elle est encore dans la chambre de Bella. Ok, bon, tu prends un bain s'il te plaît, avant de dormir. Voilà, enfin elle m'écoute. Moi, je croyais qu'elle était méchante, mais ça va, elle m'écoute. Elle me dit, oui, je suis gentille, moi. Julie, c'est pas vraiment ce que je voulais dire.
tu n'es pas vraiment très gentil. Allez, tu dors ici. Bonne nuit et nous, on se dit à demain, d'accord? Bonne nuit. Ok, on peut partir d'ici. Miss, oui, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à dormir. Bah, il faudrait dormir quand même. C'est pas grave si tu n'arrives pas à dormir. Qu'est-ce qui te fait peur? J'ai peur des loups. Bah, y a pas de loups ici. Pourquoi tu as peur? Je trouve ça vraiment pas normal. Allez, dors. Y a pas de loup, rassure-toi. Et ma chambre est juste à côté, ok? D'accord, ok. Bonne nuit, ma chérie, Julie. Allez, nous, on y va. Avant de dormir, moi, je vais boire un verre d'eau. C'est très important, l'eau. C'est bon, j'ai fini. Allez, je vais prendre un bain. Ensuite, je vais me changer. Et c'est parti, moi aussi. Je suis assez crevée. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Un bon bain bien chaud. Ouf, ça me repose. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je t'ai dit de dormir. Tu ne comprends pas. Je t'ai dit de dormir, s'il te plaît. Et c'est la dernière fois que je te dis. Sinon, je vais me fâcher. Viens dormir. Alors, elle m'a dit, je peux dormir dans ta chambre, s'il te plaît. Oh là là, mais je sais pas, t'es une peureuse ou quoi? Alors que tu fais toutes les bêtises du monde et quand même tu as peur de dormir dans ta chambre. Mais ça va pas du tout, pourtant ta maman m'a dit que ma fille dort bien et elle n'a peur de rien. Alors là, je sais pas ce qui se passe. Ok, tu peux dormir dans ma chambre, allez viens. Je pense que je vais passer une mauvaise nuit, moi. Hop là, c'est bon, bonne nuit cette fois, j'espère que tu vas bien dormir, d'accord? D'accord, miss, promis. Ok, merci. Enfin! D'un côté, c'est mieux que je la surveille. Au moins, je sais qu'elle est en train de dormir là. Ça, c'est sûr et certain. Regardez-moi, c'est bon, je la vois. Donc, moi aussi, je vais dormir. Et les amis, nous, on se retrouve demain. D'accord? Bonne nuit. Oh my god, je suis crevée. Oh, j'ai sommeil. Une nouvelle journée se lève. Oh my god, je suis très contente de vous retrouver les amis. Je vais maintenant réveiller la petite Julie. Julie? Tu es où Julie? J'en suis sûre, elle est en bas. D'abord je vais me changer et ensuite j'irai la rejoindre. Allez, donc c'est parti. Je me lave les mains et je me brosse les dents. Vite, vite, vite. J'ai peur qu'elle ne fasse des bêtises. Donc c'est parti. Allez, je me dépêche. Bon, les amis, je me change et je vous retrouve juste après. On est bien d'accord? C'est parti. Allez, go. Ok, donc c'est bon, je suis prête. C'est parti, nous allons voir Julie. Où est-ce qu'elle est passée? Julie, c'est bon, je suis là. Ne fais pas de bêtises. Alors, tu es où? Oh my god. Julie? Julie? Ne me dis pas que t'es vers la piscine. En plus, tu sais pas nager. Oh my god. J'en suis sûre. Julie? Bah non, il y a personne ici. Julie? Oh non, je trouve personne. Oh my god, je sais pas où est-ce qu'elle a disparu. J'arrive pas à croire. Ne me dis pas qu'elle a quitté la maison. C'est un cauchemar. C'est pas un rêve là. Oh my god, Julie. Ok, je vais sortir Bella et nous allons chercher Julie ensemble. C'est parti. Allez Bella, Julie a disparu, aide-moi s'il te plaît. Dis-moi si tu trouves quelque part. Alors, où est-ce qu'elle a pu disparaître? Oh my god, Julie. Sa maman, elle va s'inquiéter, ça c'est sûr et certain. Pourquoi il y a des enfants, ils sont comme ça, ils font trop de bêtises. Je sais pas où est-ce qu'elle est passée. Oh my god. Peut-être au parc, on va voir ça. Julie? Non, elle n'est pas là. Mais où est-ce qu'elle est partie? Oh my god, oh my god. Imagine, elle s'est fait kidnapper, oh my god, imagine c'est ça. J'ai trop peur, Julie, réponds-moi s'il te plaît. Il y a personne. En plus, il est 7h du matin, il y a personne encore, tout le monde dort. Donc où est-ce qu'elle a pu disparaître, Julie? Oh my god. Julie, où es-tu?